Il y en a un qui veut me faire de l'ombre, hein. Parce que faut pas oublier que... Il joue sérieusement, je sais. Ouais, je sais, je sais. Alors, voyons un petit peu sur Smashville. Moi du coup, aussi, Chic sur Smashville, intéressant. Je continue. Il joue parce que je l'aime. C'est mes persos du cœur, quoi. C'est pas... Oh là 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 là. Eh ben, magnifique. Je cite... Bonsoir les gars, il y a du beau jeu. Pour le moment, en stream, je sais pas, j'ai pas vu. Je crois que Com avait fait un putain d'action à un moment avec son DK. Ouais, ouais, alors Com il nous a fait un double clip. Là, il a 0 to death 2x8, Aza avec DK. Il a 3 stocks 40% au passage. La brutalité. Parce que du coup, je regardais pas. Sinon, pour revenir au match, domination tranquille, Danzo, mais bon, c'est Ike. Faut se méfier. Surtout qu'il joue check, hein, donc un backer à 50%, il meurt. Voilà, faut pas oublier que Ike, c'est un monstre et que Chic, c'est du papier. Faut surtout pas oublier qu'il est plus lourd que Ridley. Non, il est une unité de poids en dessous. T'es sûr? Il me semble qu'il fait pareil. Ou au-dessus. Non, c'est Wario qui fait le même poids que Ridley avec un ou deux autres persos. Anzo, il est trop chaud avec Chic. Ah ouais, Anzo qui a bien traîné sa Chic, il nous montre de magnifiques combos, il met une pression monstrueuse en dehors stat. Et oh, le Needles, mais quel génie! Maintenant, Com joue bien. Il joue bien, quoi. Mais la petite aiguille offstage. Je suis le premier à le trash et tout, mais en vrai, il joue super bien maintenant. Je suis content pour lui parce que du coup, maintenant, il nous fait du beau jeu, tu vois. Il fait du sale ou pas, Anzo? Anzo, ouais, c'est un gamin. Regarde, il est en train littéralement faire ce qui s'appelle abuser du match-up. En vrai, je pense pas que Chic gagne énormément contre Ike. Mais c'est vrai que up close à Chic, c'est quelque chose. Ouais. Mais bon, Ike, c'est tellement une connerie. Le truc, c'est qu'on a affaire à un nouveau joueur contre Anzo. Voilà. Je dirais plutôt que l'écart des deux joueurs se sent. Même si il y a eu une éruption en mix-up surprise que Anzo ne s'attendait pas. Petit F tilt. Anzo qui essaie de trouver un combo, mais qui foire un petit peu. Mais on s'en fout parce que quand Chic loupe un coup, et là, quand on fait un deuxième, ça couvrira l'air dodge. C'est l'un des avantages du personnage. Un atterrissage agressif qui marche du côté. En fait, je sais pas s'il sait, mais avec Chic, il peut faire upper fast fall. Ouais, l'upper drag down. Dans Smash 4, c'était pas trop, mais dans celui-là, ça l'est. Moi, je savais pas que Bouncing Fish connectait après un upper drag down, mais j'étais au courant des setups de upper drag down. D'ailleurs, t'as loupé lundi, on s'était amusé à faire un match avec un Smash Meter et il a upper drag down tout final Smash et ça a tout combo. C'était beau. En plus, le final Smash de Chic est tellement beau maintenant. Ah oui, il est classe. Bon, Ike qui est dans une très mauvaise posture, Zombira va devoir nous trouver une façon, il va... Un Ike, ma foi, original, qui ne fait pas de neutral air. C'est sûr que Ike sans neutral air, c'est déjà beaucoup moins fort. On a l'impression de jouer un perso d'Alien. On dirait Smash 4, pardon. Eh, peut-être un comeback, hein. En vrai, avec la rage, il peut le faire. Chic, c'est du papier. Faut pas oublier que Ike, c'est un peu le Ganon John de ce jeu. C'est clairement Ganon qui utilise vraiment plus son épée. Un mini guts. Yo Qatar, comment ça va Volt? Ouais, j'ai le chat 6 ans. Oh, mais il y a du monde en fait, j'ai pas vu, il y a Zen en fait. Merci Zen de nous regarder. Alors j'ai pas vu ce qui a tué, mais connaissant Anzo, il a dû tuer. Ouais, mais faut faire gaffe, c'est un peu chaud à mettre au sol, ouais. Mais ça peut surprendre parce que Chic a enfin un kill setup. Après 15 ans. Hop, 1-0 pour Anzo. Et Battlefield qui pique en mode flat zone. Le stage de la 3DS. Zenryu Dogo. Du coup, ils repartent sur un check Ike. Ouais, mais cette fois-ci sur BF. Sur BF. Et alors, ouais. Moi, j'annonce qu'Anzo va nous sortir du sale. Non, c'est pas... Ah, il a fait un neutral air, il a utilisé son bien move. Alors, il y a deux neutral air là. Là, ça ressemble plus en plus à un vrai Ike. Bon, des jabs qui sont trouvés et qui permettent de gratter quelques pourcentages. Et là, un opening, mais un beau, joli combo de 5 coups, mais ça fait avec 23 dégâts, c'est Chic. Bien sûr. Faut pas oublier que Ike, avec deux coups, il fait littéralement ce que Chic fait avec un combo entier. C'est clairement ça. Les petits j'avais vérifié avec mon petit frère. Hein. Contre Wario, j'ai mis une vingtaine de coups. Il m'en a mis 3, j'avais le même pourcentage. Petit follow-up sympathique, là, backer, fer. F-tilt, double fer, neutre alerte tenté. Le Zombira, je sais pas, c'est un mec que Com a ramené, donc c'est un nouveau joueur. En vrai, il se débrouille pas mal, hein. Il joue quand même contre Anzo. Ouais, ça va, honnêtement, ça va, il se ridiculise pas, honnêtement. C'est après, il joue contre Anzo aussi. Ouais, il joue pas contre n'importe qui. Voilà, mais c'est pour ça que je dis, il se ridiculise pas.
Une game en vrai, vraiment even en fait, parce que les deux personnages sont à kill pourcent, peut-être même que Ike a si en vanité à kill pourcent. Le Upbeat Chic, probablement le seul move qui tue un pourcentage raisonnable du personnage. Même ses attaques smash sont le fameux combo d'échec, on va dire. Qui ne marche plus, hein. Ouais. Maintenant, à partir de 2 F-Tilt, tu peux t'en sortir. Ouais. À un moment, je me suis rendu. À un moment, aujourd'hui, j'ai été choqué. Hanzo a fait un Down Smash et j'ai pu spot dodge l'entièreté Down Smash. Ah oui, oui. Ça, je me suis rendu compte que ce move puait vraiment. Genre, je pensais qu'il durait un minimum longtemps. Oh là, Hanzo qui a. Hanzo qui s'est cru trop chaud là. Hanzo qui se sentait plus pisser, on peut le dire clairement. Hanzo, on déenfle les chevilles, s'il te plaît. Merci. Il sort de beaux petits trucs quand même. Ouais, quand même, fait des petits setups sympas avec Battlefield. Ah, léger lag, je crois. Un petit down smash qui est tenté. Hop, un jab qui est trouvé. Que va-t-il faire en ledge trap? Un down tilt tenté, c'est pas vrai. N'oublie pas qu'un bon Ike fait des nerfs, et seulement des nerfs. Bah là, il vient en faire un, il a touché. Il est... Ah, beau, joli petit reverse back air. Ah, le F smash qui ne connecte pas. Neutre à l'air, tout jab. Ah, qu'est-ce que c'est safe ce trailer, mon Pourquoi dieu. Servir des jabs quand t'as un air qui fait tout? Il tue, il combo, il fait des oh mal. Non, en vrai, c'est un vrai mix-up de Ike, ça existait déjà sur Smash 4. T'atterris au neutre à l'air, c'est safe et tu fais un jab derrière pour punir l'adversaire pour drop shield. Les jeux sont Ike comme sur Smash 4 là. Bah, c'est un des rares trucs qu'il y avait déjà sur Smash 4, la pression en air. C'est juste que attends, c'est jab, moins c'est absurde. Bon, je trouve. Bah, il est pas mal, son jab 1 sort très bien. Il sort vite. C'est ça, et il a pas mal de range sur le dernier coup. C'est, bah, surtout en fait, le premier jab de Ike sur frame 4 est safe on block. Et le second l'est également, du coup ça crée un mix-up sympathique. Oh. Hanzo qui joue avec le feu, hein. Ouais, il a failli seulement rentrer si dans son up smash. C'était fini. Hein. Clairement. Parce que la rage échec, ça fait 0,5. Voilà, tentative de up throw, mais non, c'est plus une bonne combo throw. Oh. Ouh, hard read sur le saut avec ce up smash. Bon type, pas de jab, mais que jab de Harry. Hop, petite back throw, mise off stage, tentative d'éruption. Oh, ça touche, bien joué. Et mine de rien. Bah, c'est ça, en fait, il crée son propre neutral. Il vit chacun 0%. Ah, c'est quand même serré, s'en sort hein. Quand même pas mal, hein. C'est quand même vachement serré, hein. Pourtant, Hanzo, c'est quand même un des favoris du tournoi aujourd'hui. Clairement, en plus, c'est sa chic. Bon, c'est pas, on est pas aussi bien que son Rob ou son Simon, mais l'autre jour, je le voyais freeplay contre Ota et bah, c'était even. Mais là, par contre, déjà 67% des dégâts subis du côté d'Hanzo. Mais il revient vite avec une jolie série. Un joli le needle qui loupe. À 30%. Un petit hilt qui ne combo pas. Dash attack pour aller choper l'atterrissage. Voilà, Zombira qui galère à retrouver le neutral et il ne passe son temps en désavantage. Voilà. Enchaîne les positions délicates. Après 70 coups, Shek prend enfin l'avantage. Tantôt coincé sur une plateforme, tantôt offstage, tantôt au ledge. Il va pas bien. Là. Des beaux resets trouvés. Hanzo qui nous montre l'intérêt de la mobilité surtout. Supérieure de Chic qui lui permet vraiment de catch tout ce que fait l'adversaire. Zombira ne sait pas quoi faire dans le désavantage. Là, il tente une chop qui whiff complètement. Le down smash qui est tenté, mais cette game est tout de même even là. Un coup qui touche et c'est fait. Là, le Foder là aurait peut-être fait. Oh, le BO, c'était couillu. Ah là, oh là, Hanzo, attention, hein, c'est Ike. Hein. Tu te prends F-Til, tu meurs, mon ami. Hein. Ouh, ce F-Smash qui est bien Hanzo tenté, qui joue mais avec Hanzo le feu. Patient. Il moi j'avoue c'est une loose de la part d'Hanzo. Moi j'avoue que là, avec tout ce disrespect, j'espère que Zombira va lui sortir un truc. Allez Zombira, bourre un back air, ça va marcher. Foder pour le tilt, tous ces kill moves. Ike déjà à 160. Vous pouvez vous attendre à ce que Ike subisse encore au moins 30 dégâts avant de mourir, c'est Shake. Oh, le fer a failli sortir. Assez loin de tuer. Ah, le up smash qui aurait tué, mais non. Oula, ça bourre les smash. Une certaine panique s'installe chez les deux joueurs. Hanzo qui quoi. Panique. Hanzo n'est pas bien. Ah bah, Hanzo, il sait qui il joue. Coup de genou. Le pummel de Chic. Down throw. Ah non, c'est pas Smash 4. Va-t-il réussir à tuer avec. Oh Pari. Ah, dommage, il n'a pas up tilt. Ça aurait le été un kill. Mais bon. Et la dash attack qui fera gagner Hanzo qui panique. Hanzo qui a tué Hanzo enfin, en sueur. Après plus de 200 dégâts infligés sur cette dernière vie. Donc on a un petit 2-0 de la part d'Hanzo.